Bien-aimés dans le Seigneur, que le bon Dieu vous bénisse tous. Encore un jour de plus, Dieu nous a fait grâce. Tu es réveillé, tu es en bonne santé, que le Seigneur te bénisse encore. Une information et bonne nouvelle. La main de l'Éternel agit sur tout le monde. Ne t'irrite pas, ne sois pas furieux. Le mur de défense spirituelle est le rempart que Dieu promet de bâtir pour tous ceux qui croient en lui. Pour tous ceux qui croient en lui. Pour tous ceux qui marchent avec lui. Pour tous ceux qui placent leur confiance à l'Éternel. Aujourd'hui, il est temps de réclamer ce que Satan t'a volé, ta liberté, ta santé, ta famille. Avec Dieu, nous allons bâtir le mur de l'unité, le mur de protection, le mur de renouveau et le mur de renouvellement de la vie de prière. Laisse-moi te dire, les écluses des cieux sont ouvertes pour toi. Que les signes des prodiges et des miracles se manifestent à travers ta famille et ta vie, à l'aide du Saint-Esprit. Et ce matin, l'Esprit de Dieu te dit que tu as de l'autorité et le pouvoir de menacer tous les esprits de tourment et de peur, d'étouffement de ta liberté, d'étouffement moral et corporel. 1 Corinthiens 10, 13 dit, toutes intentions sont spirituelles. Derrière chaque intention, il y a une main invisible. Une sale main invisible. Une sale main invisible. Ce corona-là, il y a une sale main invisible. Toutes ces choses, tout ce qui fait le mal de l'homme, c'est Satan, le diable. N'ayez pas peur du diable. Parce que Dieu est à notre côté. Les gens parlent de virus. Mais le virus là qui est invisible, derrière le virus corona, il y a un esprit impur. Un esprit de méchant. La méchanceté qui est rentrée dans l'homme pour faire du mal à son prochain. Il prend plaisir. Vous imaginez que dans le 24 heures, un virus qui tue 475 personnes. Ça, c'est la méchanceté. Mais laisse-moi te dire, notre espoir, c'est à Dieu. La Bible déclare ici que au moment de la tentation, Dieu est fidèle et il ne permettra pas que tu sois tenté au-delà. J'ai bien dit, au moment de la tentation, Dieu est fidèle et il ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Pendant ce temps de la tentation, Dieu préparera les moyens d'en sortir pour que tu puisses lui résister. Ce matin, mon frère, ma soeur. Pendant que toi, tu es menacé, mais laisse-moi te dire, Dieu a préparé un autre moyen où tu vas résister. Tu vas résister dans le nom puissant de Jésus. Laisse que ma prière d'aujourd'hui, que la grâce de Dieu vous couvre, que Dieu pourvoie à tous vos besoins. Remontez votre morale. Ayez confiance et foi en Dieu, car l'ennemi est vaincu. Et laisse-moi te dire, les gens qui sont derrière cet esprit, il y aura les retours. Que Dieu vous bénisse encore aujourd'hui. Soyez tous bénis.
Et prions pour tous les médecins. Prions pour tous les corps, les médecins, les infirmières. Prions pour eux. Et soutenons aussi tous les présidents. Soutenez-les dans la prière. Ils ont besoin de nos prières et de nos conseils. Au nom de Jésus. Amen.